Ludosport. 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 L'équipement des gagnants. Nous avons été à la rencontre de l'équipe féminine persévérante pontoise du basket. Après de nombreuses années sans équipe féminine dans ce secteur, nous avons l'honneur de vous les présenter. Donc Eric Piette, je suis président du club. Nounyangou Willy, au club de Pont-sur-Yonne, je suis ce qu'on appelle un entraîneur bénévole. J'ai commencé ici au club de Pont-sur-Yonne et j'ai arrêté il y a 5 ans environ pour aller jouer en Île-de-France. Et je suis revenu en 2019 à Pont-sur-Yonne. Comme quoi, on revient toujours à la maison. Hein. Bah, je m'appelle Romane, j'ai 14 ans, je suis en 3e, la capitaine. J'ai joué dans deux clubs, à Pont-sur-Yonne pendant longtemps et j'ai fait 2 ans à la CTC de Joigny et je jouais en équipe de sélection pour le département. Je m'appelle Émile Ouignangou, je suis une joueuse. Je fais du basket depuis mes 5-6 ans, je pense, ouais. J'ai commencé super jeune. Le club de Pont-sur-Yonne a toujours été un fief féminin du basket, même du basket bourguignon à une certaine époque, parce qu'on jouait, au plus haut niveau régional. Et malheureusement, depuis quelques années, on n'avait plus de filles. Donc ça fait plaisir d'avoir des filles. Toute équipe féminine, il n'y en avait pas à Pont-sur-Yonne. C'est intéressant de monter une équipe par rapport à toutes les filles qui se connaissent et qui avaient envie de faire une équipe ensemble, tout ensemble. Sachant qu'elles sont copines à l'école, et ben fallait faire copines au basket aussi. Oh, j'aimerais bien que les filles montent très très haut et qu'elles gagnent pas mal de matchs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une équipe nouvellement née, donc c'est-à-dire que dans l'équipe, on a pas mal de débutantes, mais qui pour autant se débrouillent franchement pas mal. Et c'est vrai qu'on a une bonne équipe. Oui, je suis plutôt contente, surtout que ça fait même pas un an qu'on a commencé, donc oui, je suis plutôt contente. Moi, je suis super contente, surtout que pendant un long moment, j'ai arrêté. Et ça me fait super plaisir de reprendre, en plus avec des personnes que j'aime bien. Chaque fille peut être fière de ce qu'elle apporte à l'équipe.